de séance présidée par Monsieur le chef du gouvernement était le 8 août 2017, avait pendant 8 mois consacré tout son travail à établir un plan national d'intégration et d'institutionnalisation du genre 2016-2020 et qui a été validé dans un conseil au mois de juin 2018 et qui est en train d'être décliné en plan sectoriel pour les différents ministères. Bien sûr, qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère de la Femme en lien avec ce plan ? Vous savez très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère de la Femme est la première institution qui travaille sur l'institutionnalisation et l'intégration du genre. Donc, tous nos travaux et tous nos programmes sont orientés vers cette cause. Quel est le plus qui a été fait depuis l'instauration du Conseil ? Eh bien, c'est le fait que Madame la ministre étant très genrée, elle a procédé à essayer de faire un équilibre entre les commissaires régionaux hommes et femmes. Donc, en 2017, on avait un taux qui ne dépasse pas les 10% de commissaires régionales femmes. Ce taux a atteint les 50% en 2018. Concernant mon ministère, qui est le ministère des Finances, on a pu avoir l'approbation de la loi organique du budget en date du 13 février 2019, qui est dans son article 18. Invite les chefs de programme ou politique publique à intégrer cette approche genre dans la programmation budgétaire de leur secteur. La circulaire du chef de gouvernement qui concerne la préparation du budget de 2020 a invité tous les ministères, sans exception, à introduire cette approche dans leur vision budgétaire et dans leur politique budgétaire et projet. D'une manière progressive, mais ils sont tous tenus par intégrer cette approche. En fait, on voit beaucoup au Forum des Fédérations lors de l'exécution des travaux de ce conseil. En effet, si on est parvenu en 200 ou un peu moins à mettre en place le plan d'action national d'institutionnalisation et d'intégration du genre, à concevoir aussi quelques plans sectoriels qui concernent surtout la première vague de ministères pilotes concernés par la budgétisation sensible au genre. C'est vraiment grâce au Forum des Fédérations qui a accompagné les membres du Conseil dès le démarrage à travers le renforcement de leurs capacités, ce qui leur a permis de mettre en place le plan. Puis, à partir d'un accompagnement personnalisé pour chaque ministère, et bien sûr en présence de tous les membres du Conseil, il nous a permis de décliner ce plan national d'intégration et d'institutionnalisation du genre en plan sectoriel relatif à chaque secteur ou à chaque ministère.